Il y a quelques instants, j'ai parlé au chef de la sécurité des pompiers de New York. Albert Turi. On vient de lui annoncer qu'il y avait peut-être un engin explosif secondaire, une bombe. Il a essayé d'évacuer ses hommes le plus rapidement possible, mais il dit qu'il y a eu une autre explosion. Environ une heure après que le premier avion s'est crashé, il y aurait eu une autre explosion dans l'une des tours. D'après lui, des explosifs avaient été placés à l'intérieur du bâtiment. Yeah, here's one of the guys. He can tell you I'm okay, all right? Here, hold on. You want to call your mother or something? Louis Caccioli a déclaré à People Weekly : Je conduisais mes hommes en ascenseur jusqu'au 24e étage pour évacuer les employés. Lors de notre dernier voyage, une bombe a explosé. On pense qu'il y avait des bombes dans le bâtiment. C'était un souffle d'air chaud. Pas brûlant, mais chaud. Ça m'a soulevé et projeté contre le mur du bâtiment. Physiquement ? Physiquement, projeté contre le mur. Les agences fédérales qui étaient sur les lieux pensent qu'il y a eu des explosions autres que celles provoquées par les avions. À 9h50, tout était très calme et soudain, il y a eu un boom. J'ai d'abord pensé que ce n'était qu'un accident, mais il y a eu deux autres explosions et les gens accouraient en disant « sortons d'ici, partons ». Il y a une seconde explosion, probablement due à un engin explosif dans le bâtiment ou dans l'avion et programmé pour exploser une heure après. Et je me trouvais au 78e étage de la seconde tour lorsqu'on a évacué la tour et c'est là que j'ai entendu les explosions et que nous sommes descendus. Et une heure après, nous avons eu cette explosion énorme, beaucoup plus bas. Je ne sais pas ce qui a provoqué cela. J'ai entendu une seconde explosion et un autre grondement. Et il y a eu plus de fumée et plus de poussière. J'ai couru à l'intérieur du bâtiment, les lustres tremblaient. Et encore une fois, cette fumée noire dans l'air. En 5 minutes, nous étions déjà recouverts de suie et de poussière. Descendre les escaliers a été un enfer. Et alors que nous nous dirigeons vers les sorties, nous avons entendu une autre explosion. Et nous avons tous été projetés. Quand je suis arrivé au niveau du hall, c'était comme une fusillade. Et puis, trois grosses explosions. Ces dames présentes à mes côtés se trouvaient dans le World Trade Center, dans la première tour, et elles ont pu s'échapper par le hall d'entrée où elles pensent qu'il y avait des bombes. Et même les portes-tambours étaient brûlées, déformées, et ils nous ont dit de courir. J'ai entendu la première explosion et l'ascenseur a été soufflé. Nous étions donc dans le hall de la tour Nord quand soudainement nous avons entendu... Je regarde sur ma droite et l'ascenseur avait explosé. Les gens sortaient en feu de l'ascenseur, comme des boules de feu. Je rentre dans la tour et j'entends des hurlements. Et juste à ma droite, il y a deux personnes en train de brûler. Je ne voulais pas filmer ça. Personne ne devrait voir ça. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? L'avion est là-haut et le feu ici en bas. Les gens en feu qui courent, c'est dingue ! Nous sommes alors montés au 24e étage et nous sommes descendus dans le hall et tout avait été soufflé, tout avait explosé. C'est comme s'il y avait eu une bombe dans le hall. Il n'y avait pas de feu, juste une bombe apparemment. On venait de sortir du tunnel et ça a explosé. Le tunnel de métro ? Oui. Oui, j'étais dans les sous-sols, je descendais et d'un coup l'ascenseur a explosé, de la fumée est apparue. J'ai tiré un type vers la sortie, sa peau pendait et je l'ai traîné vers l'ambulance.
the tremor that it sent through the floors, that the walls cracked and the false ceiling totally collapsed. And that's when a person named Felipe David came running into our office saying, explosion, explosion, explosion. And when I saw him, he has all his skin pulled from under his armpits and missing pieces on his face. As I'm walking by the main freight car of the building in the corridor, that's when I got blown. I mean, the impact of the explosion, of whatever happened, it threw me to the floor. And that's when everything started happening. And all of a sudden, a big impact happened again. And all the ceiling tile was falling down. The light fixtures were falling, swinging out of the ceiling. And I come running out the door, and everything, the walls were down. And now I started running towards the parking lots. There was a lot of smoke down there. There was a lot of people screaming. People came with us running up the ramps. Philip then ran underground to the South Tower. You know, you got to go clear across the hole from one to two World Trade Center. You know what I mean? That's the way you got to run. And then all of a sudden, it happened all over again. Something else hit us to the floor. Right in the basement, you felt it. Walls were caving in. Everything that was going on. I mean, I know people that got killed in the basement. I know people that got broken legs in the basement. People that got reconstructive surgery because the walls hit them in the face. Au moment où nous sommes passés par le hall, celui-ci n'existait plus. Je crois donc que la bombe a d'abord touché le hall et quelques secondes après, l'avion est venu s'encastrer. All of a sudden, we heard an explosion. It was a huge explosion that came from under my feet, meaning that it came from the sub-levels between B2 and B3. And then there was a huge explosion at the top of the building. You could hear the difference from the bottom and all the way through the top. The one from the top, which was actually seconds after, was heard very far away. The one at the basement was pretty loud, and you felt your actual feet moving with the floor.